excusez-moi devant la population du fait que dans un contexte aussi difficile de corona, moi obligé à parler d'un autre sujet. Je profite l'occasion pour me dire, prends courage, appliquer toutes les mesures d'hygiène, porter masque, pas faire du maladie à réel d'exister, et pour prendre toutes précautions pour que la maladie n'a pas voulu y aller. Mais je dis, pendant que le peuple haïtien a souffert, je ne suis pas supposé prendre la parole à parler de propriété privée. D'ailleurs, mon clinique, moi, ben, tout le monde qui voulait, qui a eu corona, je traite plusieurs déjà, m'impliquer dans la lutte là. Et je souffre avec eux, je ne pas bien attention à parler. Je dis à affaires privées, parce que nous avons un contexte de corona. Mais il y a un pile de monde qui est le moins qui dit que une déclaration qu'on certain, heureusement, gens qui fait, sous moi, à partir de conférences de presse, en tant qu'homme politique, image moins, image famine, il doit en fait frapper par ça, image non, il doit atteindre, eh bien, nous décider à partir de conseils amis, soutien dans le silence non, pour nous dire en fait quelques mots sur la question ça, nous voulons faire une mise au point sur cette question. Je dis que, heureusement, Jean, d'après ça, nous entendons le dire, que quand nous racontons, a volé bien avec tes diaspora. Par contre, depuis qu'il est même dévolé, depuis qu'il est impliqué dans ce style de bagaille, ça. C'est historique, en historique, m'a fait pour nous, pour nous mettre dans un contexte, question pour nous comprendre. Moi, pratiquement, en janvier 2018, j'ai été sous le frère là et j'ai gagné un vieil bâtisse, un cas écrasé qui gagne pour vendre. Et en janvier 2018, j'ai pris un premier ministre, Jout Joseph, qui peut être premier ministre, ça, qui était ingénieur, qui connaît le grand service, j'ai accompagné le. Et il a le caille avec moi pour évaluer est-ce que caille son caille au monde qui a fait confiance. Et après évaluation, eh bien, M. Jout Joseph dit que, OK, on doit faire affaire. Et le processus a duré de janvier 2018 à 16 mai 2018. 16 mai 2018, non, moi-même avec Madame Gadi Kantov, ma femme, non, conclu affaire là. Avec un avocat qui c'est avocat qui c'est Renaud Romelus et qui c'est représentant mandataire officiel, n'est-ce pas, de Maître Kaila qui sont diaspora qui vivent Panama, qui relève Madame Jette Rachal, qui c'est veuve Gilbert Horacius. Et Monsieur Maître Renaud qui c'est avocat Kaila depuis 13 ans. Maître Renaud qu'on y a rentré en contact avec nous et il y a accompagné nous. N'allait devant, je dirais, un notaire, qui c'est Madame Claudel Bernard, et nous conclu, n'est-ce pas, on a fait sous Kaila le 16 mai, n'est-ce pas, 2018. Et après 16 mai 2018, nous faisons Titan. Et Titan nous fait, c'est pour nous voir exactement qui ça nous a fait en termes de restauration Kaila. Le, nous faisons Chita avec Renaud qui gagne l'élection cabinet dans 54 avenue Lamartinière-Bois-Vernat. Et éliminer nous devant Madame la notaire Claudel Bernard, dans Delma 31, rue l'ouverture à côté de Saint-Louis de Gonzague, qui s'est notaire là, et n'a conclu affaire là le 16 mai 2018. L'affaire a fini conclue. Donc on y a engagé quelques temps après, soit le 19 avril 2019, nous mettons un ingénieur sous Kaila qui s'est Roland Palmé. Et ingénieur Roland Palmé, l'évaluation. Et il fait un devis et il commence à exécuter le devis dans le cadre de restauration. Nous faisons un an
et 3 mois depuis la restauré, machine après 30 dents, sable après 30 dents, roche après 30 dents, fer après 30 dents, ciment après 30 dents, portail ouvert, pour que le travail a fait, plusieurs bosses après 30 dents, caille découvrie, il a fait 3, etc. Nous faisons 1 an, 3 à 4 mois comme ça, pendant que depuis 2 ans, nous avons joui, n'est-ce pas, de propriété. Non, paisiblement, côté en tant qu'à là, nous avons un gardien qui est installé, et nous-mêmes, Madame Cantave, à moi-même, nous toujours aller chaque jour sous chantier de façon alternative. Les gens sont allés, les gens sont allés, et là, nous arrivons, n'est-ce pas, au contrôle de supervision sous Kaila pendant 2 ans, ça, n'est-ce pas, que Kaila l'a mené, non. Et bien, le 7 juin dernier, ce vendredi, le vendredi qui vient en fait de passer, le vendredi 5 juin dernier, pendant que Madame et moi-même, nous sommes sous chantier, nous avons fait ça, nous avons en fait supervision, il y a 3 lettres qui ont été installées, et nous quittons le Kaila vers les 11h midi. Et nous venons la Kaila, pour nous retourner encore vers les 2-3 heures, pour nous aller voir est-ce que, en fait, il y a continué avec l'installation de la toilette. Entre temps, ingénieur avec monsieur déplacé, il y a le manger. Gardien non, il est sorti dans la chute détergent pour Kaila. Et puis, vers les 2 heures, moi, j'ai eu les riverains et les voisins immédiats de la maison qui relèvent un coup de vent qui dit « Sénateur Cantave, mais j'ai eu un certain Rosemont Jean qui venait avec des civils armés et avec 7 agents forestiers ministère environnement armés jusqu'aux dents. Ils ont cassé cadenas moins, ils ont rentré en dents Kaila, ils ont mis cadenas en dents et ils ont dit « Ils ont pris Kaila, Kaila c'est pour eux ». Et ceci sans aucune forme de procès. Il n'y a pas de bien avec eux, ni juge de paix, ni la police. Il n'y a pas de bien avec eux, aucune décision de justice. Ce sont des voleurs qui, par effraction, rentraient dans le cas moins. Et on cas que j'ai 2 ans depuis que j'ai joué paisiblement. J'ai 1 an, 4 mois depuis que j'ai fait réparation là-dedans. Ils ont entré là-dedans. Et puis, ils ont dit que Kayo, c'est pas eux, sans aucune forme de procès. C'est comme si je t'avais dit aujourd'hui, il y a là. Ou même, journaliste qui l'a, nous avons Kaino, ou nous sortons avec madame nos petites noms dans l'église, nous quittons gardien dedans, et puis on paquet de monde à tout faire, Rosemont Jean, des civils armés, et 7 agents, n'est-ce pas, forestiers du ministère de l'Environnement, ils ont venu, ils ont mis les gardiens dehors, et puis ils ont mis 4 là en dedans, ils ont dit que mettre Kaila pas gagner rentrer. Voilà un peu la figure. Je dis, à tout le monde mêlé dans le pays, à, et moi, je crois que c'est extrêmement important pour que, n'est-ce pas, l'autorité fasse le travail. Yo. Moi, je voulais dire un bagage qui est extrêmement important. Là, nous arrivons devant Kaila le 5 juin, vous entendez ça? Nous venons avec un juge de paix qui c'est Kalari Destin, juge de paix de Pétionville. Nous demandons à Kalari Destin pour qu'il fasse un constat pour nous et la police y accompagne. Et quand on est arrivé sur les lieux, nous entendons que M. Kalari Destin, comme juge, a parlé avec Ravision là, qui est des civils armés qui avèle, pendant que le juge de paix là. Et maintenant, le juge de paix, au lieu de faire son constat, il a dit, Rosemont, tu sais, tu es mon ami, relax, calme-toi, on n'est pas arrivé, parce que au plus grand peur, je sais travailler pour toi déjà, qui sont peur là, etc. Étonné, me demandez, mettre là, mais qui s'est passé là? Je vous ai réquisitionné pour faire ce qu'on appelle un procès verbal de constat. Un constat. Et adresser le procès verbal. Et voilà-t-il pas moi que c'est insensé ou après insensé des ravisseurs qui crasaient portail, moi qui entrait et demandaient pour faire ça, ou les points, en fait, constat. Et le juge de paix est reparti, n'est-ce pas? Et il n'a rien fait. Je viens d'écrire à ce juge de paix pour lui demander de me donner, suivant la loi, n'est-ce pas, le procès verbal de constat qu'il a été réquisitionné, n'est-ce pas, pour qu'il le fait. Donc, je dis là, moi, je voulais que mon capitaine de milieu comprenne nos bagailles. Heureusement, j'en dis, pendant que les m'a fait discussion avec le juge de paix devant, il dit que c'est le pouvoir, le gouvernement, qui mandate-t-il pour chercher des cailles, saisir des cailles, pour qu'il y ait logé des bureaux d'État. Moi, estime que ça, c'est grave. Au même moment, j'ai appelé le ministre de la Justice, son honnêteté ça, qui dit que le gouvernement n'est pas impliqué dans le bagage comme ça. Et n'importe qui sorti pour voler bien monde,
lui-même l'a servi contre Mounza et m'était réconforté par réponse ministre justice là et remercier pour ça. Deuxièmement, il y a des sources, n'est-ce pas, autorisées dans le palais national que me dirait qui dit que il pas heureusement chercher caille pour loger bureau l'état. Et troisièmement, comme il y a des monde, des agents forestiers bien armés en vert avec casse vert, masque dans figure, gros âme M4 dans mayo devant caille qui accompagne heureusement, moi le ministre environnement m'a dit de qui prévient. Et ministre environnement, l'homme voit une photo au Bali, ministre environnement dit, mes amis, qui ça y est là? Voyez ça, by Jean-Tel Joseph, qui est directeur général, qui lui-même relève pour l'excuser, pour dire que, agent ça y est, il ne comprend pas comment, heureusement, faire joignons à la disposition pour le marché dans le style de salafaire. Donc, pour se faire faire les cailles, eh bien, heureusement, Jean, accompagné de 7 pour le ministre environnement, pas autorisé, n'est-ce pas? Et malgré la police là, il est campé là, civil armé, il est campé là. Et ensuite, et Jean-Tel Joseph dit qu'il y a pas des sanctions contre Mounzaou. Mais il se trouve un bagage important pour me dire, là, on juge de paix, il faut constat, ou bien la police avant, ou bien des civils armés, là, c'est pour demander au nom de qui ça, civil armé là. Là, je n'ai quoi qui pas autorisé, c'est pour demander au nom de ça, donc ça n'a pas été fait. Bref, bah, c'est ça. M'a dit tout simplement que Rosemont Jean n'avait aucune décision de justice entre ses mains. Rosemont Jean n'était accompagné de aucun juge de paix, n'est-ce pas, d'aucun policier, il casser la caille, il rentrer. Mais, moi, je veux éclaircir pour tout le monde, et diaspora qui a côté mieux. Heureusement, Jean dit qu'Almia Cantav volait bien diaspora. Mais heureusement, Jean n'est pas en train de travailler, n'est-ce pas, pour la diaspora, son façade. C'est mettre la batte pour l'été en face de la diaspora. Lui, pour la diaspora, servi, n'est-ce pas, comme paravent, pour le camarcher, volait bien le monde. Heureusement, Jean dit, Livine se dit bien ça, parce que c'est bien papa madame. Même Jean-Tou, heureusement Jean mette un malheureuse d'ailleurs, dans Delma 33. Malheureuse d'agir cancer, il passe là le soigner aux États-Unis. Après un mois, heureusement Jean débarqué, il prend caille, malheureuse là. Et il dit, malheureuse là, c'est caille papa madame. Même Jean dit caille papa non, c'est caille papa madame. Sous Katia même, côté caille papa non, sous des frères là, il y a deux autres cailles, heureusement, j'ai entré pour l'alcool. Mais Mounio, qui est sur place, il résistait par rapport aux gens. Et je crois que les espions, heureusement, Jean, les civils armés, les voisins peuvent vous en dire long, les armes mettent dans la tête. Et à partir de ce moment, ils prennent le téléphone, quand ils tapent film, ils effacent toute image. Même Jean tout sur route publique, donc on est que les GI, ils ont bien l'État, on terrain. Donc on est que là, je prends bien ça. Sous nom papa madame. Donc on est tout dans Thomasin, il y a trois cailles que heureusement Jean a le dévolé, et bien l'a le dévolé sous nom papa madame, ni il dit c'est caille papa madame. Il y a plusieurs cailles sous Delma tout, lui a le mettre sous yo, lui dit c'est caille papa madame. Donc diaspora, si vous le comprenez bien, c'est pas question de affaire diaspora qui a pris là, c'est question de affaire saisie bien, n'est-ce pas, moun. Fait moun abus, montrer que comme s'il gagne en fait et autorisation et pouvoir, montrer que l'autorisation ministère de la justice, montrer que l'autorisation par les nationales, venir avec des moun qui sont dans le ministère de l'environnement bien armé, pour le capable de montrer moun que l'on force avec elle et qu'elle prend bien, elle prend net. Moi, je crois que je dis, c'est extrêmement important pour que gagnons un bagage qui fait dans le pays. Nous pas accepter que citoyens à vivre la caillou, citoyens honnêtes, paisibles à vivre la caillou, et puis pour voler, à craser cadenaio, les ou pas là, à escalader. Pour que les garanties, chaque citoyen qui a vécu paisiblement la caillou, contre des voleurs, contre des brigands, contre des bandits, n'est-ce pas, ta coureuse, mon Jean. Donc, moi, je vais dire ça de façon claire. Est-ce que, en fait, le cap a continué avec. Je dis, là, par exemple, ou bien, ou dans la diaspora, les gens qui sont plus placés pour voler bien, c'est heureusement. Je dis, là, par exemple, ou parti ou critique à la province, ou fait un petit temps, eh bien, les gens qui passent pour voler Kaou, c'est heureusement. Ils ont une gang qui forme, ils ont un corps, ils ont un réseau mafia. Et il y a des gens qui ont replacé dans le réseau mafia, ça, qui ont fait faux papiers,
tout partout pour bien monde. M'a dit diaspora yo, moun k'ap di l'ap défendre bien non, c'est lui même qu'on y a k'ap saisi bien non, k'ap voler bien non. Parce que monsieur sou 15e caille que il saisit dans condition ça yo, en dehors de juge, en dehors de police, côté le casser cadavre il rentrer par infraction et il prend contrôle bien yo. M'a dit que Rose mon Jean, mon gain titre de propriété et historiquement c'est un certain Jean-Marc avec Marc Guillaume qui te gagne bien en 1945 et 1945, c'était ça, on était en deux portions, il y a 416 mètres carrés, il y a 336 mètres carrés, et il vend, bien ça, et propriété ça, terrain ça, en 1990 avec un certain Horacius Gilbert. Et Gilbert Horacius, il mourit. Héritière Ali, qui c'est Madame Gerta Charles, n'est-ce pas, veuve Horacius Gilbert, avec cinq petites filles, qui ont même de côté par eux, n'est-ce pas, vend moins en 2000, je dirais 2018, qui vend moins bien ça, avec l'accompagnement du mandataire, qui c'est Jean-Renaud Romélus, et l'accompagnement de la notaire, qui c'est Claudel Bernardin. Voilà l'histoire, l'historique du bien, n'est-ce pas, j'ai tous les papiers, tous les titres. Donc, je dis à Rosemont, pas de titre, il va avoir une pièce papier. Et s'il n'a pas de papier, il ne va pas rentrer comme ça au niveau de bien. Il doit avoir la justice, il doit faire une citation, il doit faire un saut même. Il doit avoir une décision de justice dans même qui autorise pour que moi ne pas là. Et ce n'est pas lui qui a fait la justice, c'est justement la police avec le juge de paix qui accompagne elle pour lui mettre dehors en dehors. Donc, voilà l'histoire en gros. Voilà en fait la situation. En gros, tout ça, heureusement, j'en dis, son paquet menti que le fait, que quand on raconte à voler cette diaspora, bien diaspora, c'est bien pam, m'a garanti. Et personne moun, pas qu'à prendre bien, et m'a boumé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, pour que justice sète et pour que yo rétablisse la propriété, que gang heureusement, j'en, avec des civils armés, et des mouns qui dans le ministère de l'Environnement, sept agents forestiers du ministère de l'Environnement, viennent pour marcher, voler, à faire moun. Et puis, pas maintenant, ils ne peuvent pas voler. Moi, faire pour une démarche, première démarche que je fais, c'est que y aurait la police, même là. Me dit que, mais ils ont dit que voler André Lacaille, la police débarqué. Moi, me dit que je suis respectueux de la loi. Je vais appeler la police à l'ouvert, puis ils dit que la police est gang-bam. Me dit faut que il y ait une autorité, un juge de paix qui l'a. Mon déplacé juge de paix, Calari Destin, qui vini et qui lui-même de côté Pali, n'est-ce pas, tape encensé Rosemont Jean comme ravisseur, au lieu que pour intervenir pour faire procès verbal là. Et le commissaire m'a fait parler, le commissaire là me dit que voilà, maintenant le juge de paix ne peut pas faire le procès verbal. Il dit juge de paix pour faire procès verbal. Le juge de paix n'a rien fait, il est parti avec tous les policiers sans rien faire, comme s'il abandonne les lieux avec des civils armés et Rosemont Jean et les agents forestiers. Ils devaient quitter moins avec madame, moins seul avec les civils les armés. C'est grâce à l'intervention commissaire, n'est-ce pas, au niveau de, comment dire, commissaire de police, au niveau de inspecteur de police, au niveau de Vivi Michel, qui vient Nikonia, vient camper mon côté avec deux, trois lots. La police, il fait que moi je veux une sécurité jusqu'à ce que m'aller. Deuxième temps, moi je vais qu'on y a là, on l'autre juge de paix qui vient faire constat. Actuellement, dossier, lundi, nous sommes devant le commissaire du gouvernement. Ok, qui te promet moins pour te balayer l'ensemble des pièces pour regarder yo. Et puis la prélée Rosemont Jean tout, moi dit mais écoutez, mais Rosemont Jean pas en partie. Rosemont Jean au volet qui entre par effraction la caille moins. Il pas en partie parce qu'il n'y a pas de pièces acte, n'est-ce pas, pièce décision de justice domaine. Donc il n'y a pas citer en partie. Je dis à m'attendre que le commissaire du gouvernement, nous avons des voix avec la semaine, dans le cas venir, pour que les arrivés où est exactement, on va. Comment Rosemont fait entrer dedans, avec qui ordre de justice il est entré dedans, avec qui papier il est entré dedans, avec qui juge de paix il est entré dedans, avec qui policier il est entré dedans, et à partir de ce moment, pour le cas prononcer, n'est-ce pas, sur la situation, et pour le cas faire des poursuites légales contre des ravisseurs, contre des voleurs qui ont escaladé ma maison. Moi, j'ai demandé au commissaire du gouvernement pour mettre pour prendre des mesures conservatoires, pour mettre par le dernier d'un juge de paix pour empêcher quel que soit mon nom d'entrer dedans. Sous plein de femmes, contre, n'est-ce pas, Rosemont qui est entré par infraction. Et j'ai avec moi, je dirais, en fait, cette note adressée par le commissaire du gouvernement au juge de Pétionville, quand il dit que
lui mandé pour le transporter sur les lieux sur plainte du sieur Kalima Kantav contre le sieur Rose Bonjean pour effraction. D'accord? Et actuellement, Patrice a le plaqué au niveau du portail qui est là pour que Rose Bonjean ne puisse pas rentrer dans la caisse encore. Même jusqu'à ce que vous voyez que le papier ne pas le type de propriété du vrai et que Rose Bonjean lui-même n'a pas le type de propriété. Voilà. Il faut me faire poursuivre lui parce qu'ils sont volés quand il est là. Mes amis, c'est sorti, me sorti à madame, moi, malgré le bagaille. L'aime tourner aux autres, j'ai cassé quatre dames, en train d'en, oui. Par infraction, oui. Dans qui pays on a vivre là? Ça fait faut qu'on puisse le gouvernement sous l'école. Faut que paquet à sous l'école. Qui ça qu'on y a au monde qui paisiblement qui a vu la qualité à espérer? Si que, par un moyen fort qu'on fait. Parce que Rose Bonjean est en train d'avilir le pouvoir. Rose Bonjean est en train de salir l'image du pouvoir. Là que Rose Bonjean dit que c'est au nom de. Gouvernement, la marché chercher caille pour qu'il installe le bureau de l'État. Donc, moi, je crois que c'est extrêmement important, je vous dis, pour que vous preniez des mesures au niveau du paquet, que vous freinez aux bon gens, parce que c'est une honte pour le pays. N'importe qui monde qui sorti, qui a victime dans le bagage, n'importe qui citoyen paisible, qui a fait commission dans le marché, qui a l'église, qui a l'encontre de quelconque, vous êtes capable de victime de ça. C'est ça qui fait que l'important, je vous dis, pour que vous freinez aux bon gens une fois pour toutes, pour que folie marche voler les cailles dans tout le pays, quelqu'un, Thomasin, Delma 33, Publin, n'est-ce pas, ou des frères, n'est-ce pas, partout, n'est-ce pas, au niveau de Port-au-Prince, de Air Métropolitaine, dans la volée, avec caille, avec bien, sous prétexte que c'est bien papa, madame, ni, qui y est, et sans papier, justice, sans décision justice, la prêtrée dans caille, la crasée, la prêtrée, vous me pensez que l'extrêmement important de vous freiner heureusement pour que paisible citoyen, qui a gagné la paix, qui jouit pleinement, n'est-ce pas, de bien ou de propriété. Jean-Renaud Romélus, accompagné correctement au niveau du tribunal, là, dont il n'est pas clair. Livini, c'est le garant, n'est-ce pas, de la vente. Or, nous connaissons que tout vendeur supposé garantir HPA, il était accompagné avec tout papier, tout type de propriété. Well, copie conforme à l'original. Copie conforme, copie certifiée conforme à l'original. Et puis, il allait dans le paquet, l'accompagner, non. Il défend nous devant le commissaire, il dit c'est lui qui te vend, non. Voilà les papiers. Donc, celui qui m'avait vendu, la famille Gerta Charles, la famille Horacius, veuve Horacius Gilbert, eh bien, nous en contact avec eux par le biais de l'avocat Jean-Renaud, n'est-ce pas, Romélus, qui lui-même accompagne nous dans toute son affaire, et même dans le constat, il est toujours là, puis on vient avec papier brandi par le juge là, puis on montre que c'est nous qui mettons Kaila depuis plusieurs années, nous dans Kaila. Je ne dis pas un bagage, je ne pas comprendre que je suis crasé en Kaila, je suis agi sous lui, depuis deux ans, on m'a mis en Kaila, et puis on finit, on parle de qui prévient. On va venir avec la justice pour dire de qui prévient. C'est VOV, mon sorti pour casser pour André. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Si moi-même, Kalima Kantav, comme ancien président du Sénat, n'est-ce pas, sénateur de la République, et qui a des relations un peu partout, parce que je suis toutes les relations que je viens déjà. Ok? Si moi, voler sorti pour voler dans les conditions, ça, eh bien, mes amis, et si toi, un paysan, si mon monde qui pague mon yo, mon qui lague pour continuer, de simples citoyens, diaspora yon qui dehors, eh bien, depuis yon gèmbi, heureusement, j'ai volé, oui. Si moi, oui, heureusement, j'ai qu'à censé voler à femme, cadet vole à femme, eh bien, et diaspora que la parle de la vidéo. Heureusement, Jean, c'est lui qui a volé bien diaspora. Heureusement, Jean, c'est lui qui a spoliateur qui a marché, qu'on y a la cassé portail, rentré, prend bien. Ok? Donc, moi, dis tout citoyen qui bague moun yon. Donc, pour que yon vigilant par rapport à heureusement, Jean, montez garde pour la caillou, pour que heureusement, Jean, parce qu'il t'a volé. Monter en fait brigade pour la caillou pour que le monde ne vienne prendre bien. Yo. Si le monde vient avec la justice, ok. Mais ce n'est pas la justice, c'est civil armé qui vient avec des mondes pour que nous ayons résistance, pour que nous arrivions qu'on ait volé l'affaire. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, nous sommes tendés, ancien président Sénat, Karl Murat Kantav, qui t'a expliqué nous position pâle par rapport à l'ensemble des accusations que. Rose Bonjean poté contre ancien président et Assemblée nationale Kalima Kantav. Il montrait clairement que le gars papier, l'acheter Kaili, et que c'est Rose Bonjean débarqué avec une équipe moun, soi-disant ministère environnement et moun armée, etc. Donc, c'est deux versions. Maintenant, il était à la justice pour faire travailler parce que nous ne sommes pas là pour prendre parti, mais nous sommes là pour vous informer. Et c'est de cette perspective que n'a pu se voir le premier citoyen de la ville, de Port-au-Prince, le maire Ralph Yuri Chevry.
parce que en fait qu'on bagarre qu'a parlé dans ville là puisque tu as gagné déclaration que le ministre de la justice a fait côté l'idée les pointer du doigt. Il y a un agent de sécurité qui est avec le magistrat, donc nous avons une réaction à magistrat, et qui s'en va ici à penser tout de l'ensemble de déclarations que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, là, M. Luc Mandelli, fait. Magistrat Chevry, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir tout le monde. Et magistrat, dis-nous rapidement, qui ont réagi sous problème que le ministre a évoqué à côté de l'identifier certains monde qui dans Fantôme 609 qui n'ont sécurité ou? Et ma réagi sur deux bagages. Premièrement, sur la question fantôme 509. Et moi, pense que sur la question sécurité qui dans 509, je pense que son accusation légère. Parce que moi, pense que la police, là, même si le ministre de la Justice, là, c'est lui-même qui coiffe, même pense que la police, là, conjoint, et pour bagaille au fait, moi, c'est qu'on responsable qui a convoqué les policiers, ça. Pour poser la question, je crois que ça n'a jamais été fait, et premièrement. Deuxièmement, il y a transféré les policiers à que la police mette à disposition pendant que le magistrat est à mon issue, je suis au courant que je suis transféré. Et c'est quand c'est ouais, moi qui le transféré. Ça veut dire que pendant ma parole là, je n'ai pas de sécurité rapprochée. Et deuxième aspect là-dedans, est-ce que monsieur. Non, premier aspect à toujours, est-ce que monsieur dans Fantôme 609? C'est la police qui pour garder ça lui-même sous question et intelligence, je me suppose. Et en dans la police, là, je ne sais pas si c'est une nouvelle où on monte des photos, un policier en fonction, et surtout qui détaché avec un VIP, Jean-Aurel là. Et ça, c'est la première partie. Là. Deuxième partie, là, c'est que pendant que le ministre a fait point de presse sur question de terroriste, vous avez choisi moi, je suis désolé. Parce que lui-même, tout dans la conférence de presse, il parlait de terroriste. Parce que terroriste, dans quel que soit l'angle, il dit même bagaille là. Et ça veut dire, c'est reprendre ça moi-même dans la conférence de presse là. Et bien, dans même lot de photos de terroristes, ça, que un ministre de justice a présenté à la presse, il y a une photo magistrat élu, Port-au-Prince dans la donne. Et moi, trouvé que c'est extrêmement grave. Il y a pile monde qui commence à faire parole, est-ce que le nom est nom ou pas, ça m'intéresse pas si le nom est nom ou pas, mais il présentait photo au maire de la capitale, de première république noire, et lui a nos photos, et puis il a parlé de terroristes. Et pas gain frontière encore, le monde est tout non seul. Mais même, m'a fait contact avec tout le monde, même fait rencontre avec l'équipe politique déjà. Je m'ai rencontré avec un avocat très prochainement et dans quelques heures et qui va expliquer qui route pour me prendre un dossier ça parce que je pensais qu'il y a premièrement une correction pour faire. Deuxièmement, c'est au même Galadim qui s'en va bien pour faire parce que son bagage est extrêmement grave qui passait là. Et me sont grand monde de traverser la rue. Pourquoi moi comprendre ça qui a passé là? Je suis en fin de mandat, il y a des bagages qui voulaient faire. C'est pour camper, pour faire ça à faire, c'est pas pour ne pas passer à côté. Très clair sur ça. D'accord. Magistrat, est-ce que ou même ou tu as des soupçons que policier ça, comme c'est sécurité rapprochée, les gens des mouvements, monsieur proche, l'autre policier 509, parce que quand même, ou son maire et principal, ou c'est premier citoyen dans la ville là, c'est ou une sécurité rapprochée, s'il a déplacé, quand même, ou qu'on est que monsieur pape là. Écoutez, Gary, on est sérieux. Hein? Et nous parlons de 509 fantômes, d'ailleurs, non, on veut dire ça, on dit. Nous pas fantôme pas gain c'est zombie ça veut dire pas gain visibilité possible sous pas gain point Jean Mounio do pas avoir zombie n'importe qui est pas gain droit avoir zombie ça veut dire et c'est pour ça monsieur ça au pas tête yo non ça moi même moi connais que en pile policier Port-au-Prince dans question SPNH d'accord avec et en pile là-dedans que me travaille toujours à parler là-dedans ainsi que policier ça qui dans sécurité là. Et sous question de SPNH, il y a pour toucher, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est moi-même sûr que je connais que la grande majorité des policiers qui, dans ma ville est membre ou une affinité à SPNH. Là. Mais pour dire, est-ce que je connais que les policiers étaient dans 509, pas une personne qui va connaître qui est dans 509, sauf si peut-être qu'il y a des enquêtes qui menaient, qui prouvaient
que yo te wè monsieur dans réunion que monsieur t'a ou bien yo te wè avec les armes dans mel si aucun débat comme ça et c'est ça c'est à la police nationale de gérer ça c'est pas à moi de gérer ça mais en tant que maire policier ça dans sécurité me rapprocher encore c'est sécurité plus rapproché maintenant nous déplacer le bagain et les notables bon c'est des lettre que nous t'ayons, c'est des correspondances qui dégainent et ils déplacent sans correspondance ou ils ne pas remplacer par personne. Alors, j'aime dire nous comprenons clair ça qui a passé. Ok, magistrat, dans les autres villes, ou maire de la ville, c'est un monde qui est au-dessus même de la police, c'est-à-dire c'est magistrat ou géré policier. Maintenant, comment se fait-il que vous mandez pour une bonne sécurité rapprochée, ou baroule, parce que c'est correspondance, ou parce que c'est lui faire confiance, pour autorité à déplacer sécurité là, pour l'autre autorité, ou pas même prendre le soin, pour inviter comme collaborateur, comme monde qui a dirigé, qui a géré ensemble avec eux, pour te dire, mais qui problème qui gagne, mais ça on va le faire, maintenant ou doué, choisons l'autre monde, parce que vous pouvez le déplacer, monsieur, pour des raisons 1, 2, 3. Gary, là, c'est la normalité, tu parles de la normalité. Normalement, c'est pas ça qui a passé là, Kounia, là. Ça n'a pas été beaucoup plus grave que ça. Et nous ne pas même parler de seul policier, c'est clair. Lorsqu'il s'agit d'aider, lorsqu'il s'agit de faire mon devoir en tant que maire, de asperger commissariat, lorsqu'il s'agit pour utiliser l'équipement mairie pour à la disposition de la police, tout le monde relait, tout le monde mettait en contact avec même. Mais lorsqu'il s'agit de retirer sécurité rapprochée maintenant, je ne vais joindre aucun. Ça sont faits exprès, sont bagages qui prémédité organisé et moi-même je crois tout que photo qui paraît dans tout ça c'est pas un coup de chance hein. Police ça yo mettez photo là yo mettez trois photos dans photo qui est distribué parmi lesquelles deux là-dedans yo me la donne le taka utiliser seule photo pour compte client yo make sure que mettez photo meilleur là. OK maintenant pas oublier il y a pas que le ministre dit, moun sa yo, c'est des moun probablement que vous pouvez montrer à l'étranger, vous pouvez mettre mandat derrière yo et vous pouvez partir autre. Donc, le plus important pour faire point ça, parce que les photos vous pouvez aller, photos vous pouvez aller ensemble avec photos pao, ou bien vous pouvez partir comme maire, et ou bien après mandat, vous pose aux questions sur moun sa. Donc, faut ou prend à mon humble avis avocat, il faut qu'on la justice pour clarifier bagaille ça le plus rapidement possible, magistrat. Bon, ça c'est sûr, nous pouvons même arriver dans la photo que vous pouvez le voir, gars. Il connaît un jambe de la monde là connecté. Depuis minutes que photo ça présente ça, photo ça tout côté. On nous clair, son monde va à l'ambassade, il demande Facebook, adresse, email, adresse et tout. Hein. Mm-hmm. C'est pas parce que vous besoin de la voix faire au mandol. C'est besoin qu'on ait comment vivre qui soit fait. Ça veut dire, moi-même, pas parler de parce que j'ai besoin de partir. Non, c'est pas là mon problème. C'est que c'est même pour Haïti tout. Comment un petit garçon qui est Ralph Yuri Chevry, qui est même non avec de second numéro 2, il est exactement même non avec papa, un ministre justice qui campait dans la télévision, qui montrait photo comme un terroriste. Juste parce que n'a besoin de l'affaire. Moi-même, très clair sur ça. L'autre affaire. Pas gain affaire dans tout sens. Hein? L'autre affaire, ou capable plus clair? Politique. C'est la politique pure. Nèg yo besoin arriver sous moi, y a cherché Jean pour arriver chez moi pour affaiblir, c'est comme ça au passé. Mais ou pas de bon rapport avec la justice là? J'ai jamais rencontré ce monsieur de ma vie. Nous pas aucun rapport, nous beaucoup jamais travailler ensemble. OK, côté transfert aux policiers. D'après ça, elle dit, moi, quoi, m'a dit, il a pris un chèque, lui, dans DCPA. Et côté, yo, mettez policier qui attache à VIP, yo, yon, quoi, yo, dit, son affaire de côte de fer, on va y comme ça. Ah, oui, ok. Très bien. Maintenant, qui j'en ou comptez ou même gérer ça comme magistrat? Parce qu'en fait, même si on a fait mandat, ou toujours maire de la ville. Moi, j'ai deux bagages à faire. Mon premier bagage à faire, j'ai écrit FENAM. Je demande pour prendre un dossier ça en main, tout de suite. Comme je dis, que ma parole là, nous, c'est
demain fait là m'a bien mobilisé sur dossier ça. Et puis deuxième jour m'a chita avec équipe avocat mieux pour me connait qui route pour me faire dans dossier ça, parce que il y a des choses à faire, il y a des choses à corriger, il y a des responsabilités. OK, est-ce que on va penser tout c'est pas un ministre, c'est pas une attaque politique, c'est plutôt une légèreté. Écoutez, Gary, tu es trop fait. Moi, c'est seul monde dans toute photo que tu es sous table là que m'a regardé, ou qu'a regardé le même tout, parce que l'image là, qui paraît là-dedans. Il m'a pas paraît une seule fois, il m'a paraît deux fois. Et c'est des photos que je prends. Une, c'est l'homme de notre stade là avec sécurité, on a fait match que nous avons organisé. Deuxième, nan, c'est dans le carnaval que j'ai équipe sécurité avec. Et mon troisième photo de policier, ça que je parle là, il pour contre lui. Pour qui ça pas juste mettre une grande photo ça et obligé mettre deux autres. Je ne vais pas photo aucun autre monde dans le dossier ça. C'est pur politique. Ce n'est pas un hasard dans cette tête-là. Ou pas penser les mis à part de tout dossier qu'on va parler au foc ou même où tu apprends plus précaution, il faut que l'autre nez qui bon l'autre sécurité rapide, parce que sécurité approche, c'est lui-même qui ça c'est protection vie ou protection famille ou. Gary, nous sommes Port-au-Prince. Nous fait là, nous ne pouvons pas de l'autre côté, nous allons encore à l'âge. Et nous ne pas peur. Fais-moi confiance, nous ne pas peur. Et toujours qu'un bel ligne. On nous a dit sauver, moi, beaucoup de gens ne demandent aucun scandale de justice. Et nous pensons que la préconce est très bien. Nous sommes passés 4 ans là comme maire. Nous avons arrêté tout le monde. Ce n'est pas ça que je devine faire dans mes gars, c'est service, mais je devine là, il y a une ligne politique. Inébranlable, il n'y a pas qu'à changer. Je ne sais pas comment le pays a supposé, comment qui route pour nous faire, pour quel que soit le monde qui vit dans le pays. Une équipe, je ne sais pas, je ne sais pas quoi le monde qui fait, je ne sais pas courir, je ne sais pas faire une porte. Vous parlez de fin mandat, Maïssa, mais n'a pas dit que le mandat a fini dans moi ça, parce que en fait, puisque y a une crise. Et terrible, peut-être que il doit avoir un compromis pour ouais, jusqu'à ce que vous allez vers les élections. Constitution dit 4 ans, le 4 juillet a fait 4 ans. Ok. Donc, vous prenez l'élection encore, préparez-vous ça? Dans des élections crédibles, oui. Ils sont en train de pas crédibles. Des élections organisées, équitables, tout le monde a même chance pour gagner ou bien pour perdre. Pas seulement pour gagner pour perdre, mais il faut gagner sécurité partout qui permette que la population, vraie population, ait accès à centre de vote sans pression. Très bien. Autre thématique, Maïssa, vous remarquez, sous question COVID-19 là, on bat presque tant de rapide, même si il y a pile nettoyage qui a fait. Est-ce que le gouvernement fait des réflexions à voir pour qui j'ai pour protéger les citoyens de ville là? Parce que, ou pas seulement pour les citoyens de ville là, les gros problèmes, ils ont besoin de retirer la sécurité, mais ou sont citoyens de ville là, tous les problèmes, citoyens ont des problèmes. Est-ce que, dans ce sens, ça, Pascal, en tout même, avec l'autorité centrale? Non, pas du tout. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien comme contact. Tout ce que j'ai fait depuis mars jusqu'à nos jours, c'est la mairie et ses amis, quoi. Amis haïtiens, amis étrangers, et Port-au-Prince, bien sûr, ou bien moun kap viv dans la zone métropolitaine, qui ont un business, qui ban nous en pile aide, et puis ville Kankou Montréal qui aide nous, Kankou IMF, Association Internationale des Maires Francophones, qui nous même tout cap aide nous dans la fête médicaments, dans l'asile là, grand moun yo, pour nous permettre que nous fermions l'asile là, pour nous pas quitter accès, pour nous kembe grand moun yo en vie. Et qui est encore me rappelle, La Rochelle qui aide tout le monde qui aide ses amis. Yo. Mais au point de vue, il rapporte l'État central, Port-au-Prince, pas gagné. Et si je ne dis pas gagné, parce que j'ai débarqué 80 000 dollars haïtiens, que moi-même, j'ai transféré par trois sections, pour j'ai fait sensibilisation. Et puis, je recevais 500 000 gouttes du ministère de l'Intérieur pour faire gaz, et que m'utiliser chaque 2 ou 3 jours dans la mairie Port-au-Prince. Après ça, il n'y a rien comme fonctionnement. J'ai un bon rapport avec le directeur départemental de l'Ouest de MSPP. Nous avons un contact direct, nous parlons en pile, mais pas grand rien qui fait entre ministère et mairie Port-au-Prince.
Ok, et maintenant, Maïssa, nous avons une grande inquiétude dans le pays, même si, par exemple, fait, nous connaissons des structures. Ou à okay. Bout ou à chiffre officiel, yo, ou du moins, ou pensez qu'il y a pile pile monde qui est infecté. Et qui ça ou pensez comme citoyen, comme responsable, tu as dû faire? Parce que finalement, Mounio ne pas voulu respecter aucun homme, Maïssa Chevy. Je ne même au contraire, bon, c'est le contraire, je prends la contre-pied que Mounio ne parle pas. Je pense que Mounio pas qu'à respecter. Parce que nous vivons dans une commune qui est extrêmement pauvre. Mounio vivent au jour le jour. Si Mounio pas sorti, il n'y a pas qu'à manger. C'est pour ça qu'il faut avoir des gens qui disent, il n'y a pas tant de voix, parce que je ne pas fermer la ville, je ne pas fermer le marché. Ce n'est pas possible à Port-au-Prince. Il ne faut pas baisser tête, nous mentir, il ne faut pas garder ça qu'a fait à Stockholm en Suède, et puis nous voulons faire le Port-au-Prince. La réalité de Port-au-Prince est différente. Il faut que nous prenions, faut que nous fassions le jeune supposé faire là. Best bagay que me fait pendant 3-4 mois, ça, c'est la sensibilisation directe, surtout dans les marchés. Expliquer Mounio ça lié, dire Mounio qui comportement pour gagner, parce que Mounio te commencé, dans le marché Port-au-Prince, Mounio te commencé pour être un Clorox, au courant de ça. Dans la tête par yo, le président américain te dit ça, mais dans la tête par yo, il y a Mounio qui prend un Clorox à Kvalil. Alors, nous-mêmes, nous très fiers de 1300 jeunes avec tout protection civile qui est dans la rue, qui depuis 3 mois a rencontré tout le monde qui est dans la ville, dans tout le corridor, dans tout le monde, dans tout côté. Nous peut-être pas capoter manger par eux, nous pas aider dans ce sens, mais nous par eux la parole qui qu'on peut comporter. Et c'est ça qui fait, nous pas gagner plus de monde qui a tombé déjà. Et oui, il y a plus de monde qui gagne, il y a plus de monde qui est infecté, mais moi-même, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas expliquer pour qui ça, nous pas gagner beaucoup plus de morts que déjà. Mais c'est parce que peut-être je pense que les Haïtiens sont plus solides que les gens dépensés. Et moi, je n'ai pas encouragé les gens qui ont besoin de faire des bagailles pour corona. Pour corona. Mais meilleur bagaille pour faire, c'est intensifier la sensibilisation. Permettre aux gens de comprendre la maladie, parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Parce qu'on pile le monde pas quoi la donne, parce qu'on pas fait l'État à confiance. Et puis l'État a dit un bagaille, personne ne va les suivre. Ok. Maïssa, comment est-ce que vous gérez et problématique de banditisme d'hommes armés dans la ville, parce qu'en fait, vous savez, magistrat, mais dans la ville, dans pile groupe, en pile gang, comment on fait survivre à Baïsa? Comment on fait gérer l'Elvin Sourou? Qui apporte? Est-ce qu'on travaille avec la police, DCPJ et autres? Quelle approche que structure de la mairie fait de questions gang armée? Vous dites, vous utilisez un mot fort, Gary, vous parlez de gérer, il n'y a pas de gestion et sur cette histoire-là. Parce que nous n'avons pas de capacité pour gérer ça qu'a fait là, parce que ce n'est pas même communal encore, il est national. Il y a presque plus de communes qui existent dans ce pays sans bagon cellule de gang armée. Et Port-au-Prince, c'est plus gros morceau. Exact. Et parce que ces capitales-là, divine avec tout intérêt, toute économie, toute bagaille. Mais son bagage qui commençait depuis longtemps, mais son bagage qui ont laissé aller terrible la donne, qui causait par plusieurs raisons. Deuxième, première raison, c'est que l'État va arriver à joindre Mounio, quelle que soit la forme qui gagne dans le ghetto. Absence de l'État. Absence de l'État, quelle que soit la forme, économique, sociale, et même et au point de vue éducation. Quoi. Et nous gagnons 9 écoles communales qui sont contre mairie, la majorité là-dedans, c'est des petits mondes qui sont dans la zone Zayo. Nous passons de 8000 à 5000 élèves parce que ont quitté la zone, ils ont quitté la ville. Alors, ce n'est pas un problème communal, ça, c'est un problème national. C'est tout le monde qui peut rentrer là-dedans qui peut gérer le problème. Ça. Parce que le problème n'a dépassé nous. Nous très, 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 très près ça qui s'est passé sur la Somalie. Vous avez dit plusieurs raisons. Oui. Ou bien absence de raisons, premièrement. Absence de l'État, c'est raison plus fort, et puis économiquement, et éducation, et nous perdus, vivre ensemble, qui dégaine en famille, une gérée sur l'autre, tous ces problèmes qui existaient depuis longtemps, que nous n'avons jamais voyagé sur eux, et qui a privé là, nous perdus histoire de quartier, next zone, et quartier, nous n'importe qui vient dans quartier, Alphès Alvelé, nous perdus toute histoire ça. Alors, mais première base là, c'est l'État. Qui est absent dans toute section, dans tout secteur. Ok. Maintenant,
Est-ce que selon vous, les politiques, nous avons dit, influencent, n'est-ce pas, le fonctionnement des gangs? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute comment fonctionnent les gangs. Hein? Il n'y a pas de doute. Ça commence avec la politique surtout. Et l'on est pas le candidat pour faire campagne, ou obligé de rentrer en côté. Hein? Ou obligé de nous parler qui pour permettre que soit faire campagne ou bien ou coller photo ou bien ou venir faire un meeting sur stage. Et de commencer comme ça. Mm-hmm. Moun yo nèg yo qui des bagages que vous mandez peut-être. Vous même yo obligé de faire ça parce que c'est seul gens qui jouent dans bagage. C'est ou après nous compte que tout le monsieur armé a parlé ou tout y a pas dans l'élection. Mm-hmm. C'est parce que son bagage qui fait chaque temps une élection, toujours une élection. Alors qu'il y en a qui pas dans l'élection encore, le qu'on est il a planifié il mensuellement pour leur élection arriver pour pas obligé de dépenser trop. Oui. Mm-hmm. OK, mais maintenant en termes de conclusion Maïssa, est-ce que vous adresse ou tu as aimé faire avec la population Port-au-Prince, monde qui te vote, monde qui te fait confiance et qui bon mandat ça pour te diriger? Est-ce que vous avez aimé dire? Rapidement, si même parler à deux monde qui te vote, mais même monde qui travaille avec moi, même ça pas voter, même ça pas travailler avec moi, je vous remercie pour le comportement que vous avez gagné pendant 4 ans. Bien sûr, il y a un pile bagaille que nous avons souhaité faire, qui n'a pas même commencé à faire, mais il y a un pile bagaille que nous faisons tout, que nous quittons pour nous, c'est surtout l'administration ça. Nous prenons pour nous des informations sur ce que fait nous, et nous allons quitter tout physiquement et visuellement, nous allons publier dans toute bagaille pour le peut-être un jour nous tourner et pour nous joindre disponible pour nous continuer par les services et puis qu'on continue à organiser. Merci tout le monde. Je pense que je vais peut-être parler avec eux, mais comme vous posez une question, je vous remercie, quel que soit haïtien qui a vécu, quel que soit côté lié, et surtout amis et Port-au-Prince qui est dépendant 4 ans. Merci beaucoup, Maïssa Chevy. Merci beaucoup. Très bien. Maire principal de la commune de Port-au-Prince, Maïssa Yuri Chevry, qui a parlé avec nous, qui a réagi par rapport, premièrement, à la déclaration que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique fait, Maître Lucman Nelil, côté. Lui montrer photo un agent, un policier, mais qui c'est chef sécurité, Maïssa Chevry. Mais le problème qu'il y a, selon Maïssa Chevry, c'est pas agent sécurité à le montrer, non, c'est parce qu'il montrait photo ensemble avec monsieur. Donc, à travers le monde, tout le monde a prouvé que c'est Maïssa Chevry et puis Moun Kavel là, son Moun Kav fait des parce qu'il dit terroriste, et ça veut dire, par ricochet, Maïssa a tout. Même tu as supposé épingler ou du moins tu as supposé offrir une mauvaise image. Donc il faut que mette Luc Mandel ouais ça. Donc pour le monde qui pas de temps des déclarations, puisque Luc Mandel a attaqué M. Fatoum 69, évidemment nous-mêmes, nous allons faire des marches, hein, nous allons faire des marches dans la semaine qui va venir pour nous, si nous avons parlé avec le responsable Fatoum 69, dit que ce soit femme ou bien garçon, pour nous capable de dire par rapport à la déclaration qui s'est faite. Mais pour le moment, comme il y a plus de monde qui n'a pas de temps des déclarations,